Francis, toutes les régions auront un moment donné la parole tout à l'heure pour identifier aussi chaque région qui sont là en termes de détermination. Donc merci à toutes et tous, bonne marche et on se retrouve tout à l'heure devant le Salon de la Culture. Thank you.
Pas du tout, vous êtes agricultrice ou pas? C'est parce que t'es si moche. D'exacerber finalement une forme de hop là, attention, de frustration. Pour les 14 départements. On les presse dans la gueule. Ouais, ouais, moi aussi. Marche à la veille du centre de l'agriculture, c'est un peu pour s'abuser la colère qui monte et qui ne descend pas malgré les annonces du gouvernement. Ben oui, oui, parce que, alors en plus, on a quand même vécu une chose incompréhensible hier avec des invités au débat organisé par l'Élysée. Donc ça, aujourd'hui, pour nous, c'est une forme de mépris finalement des agriculteurs et des corps constitués. C'est-à-dire que qu'ils convoquent l'ensemble des interprofessions ou des syndicats agricoles, ça on peut le comprendre, mais aujourd'hui on invite des gens qui détruisent l'agriculture à longueur de temps, enfin c'est incompréhensible pour nous. Comment vous avez pris ça, vous a énervé cette habitation? Bah énervé, c'est une forme de... Enfin, c'est incompréhensible, on ne peut pas participer à un débat aujourd'hui alors que... On ne peut pas participer à un débat aujourd'hui alors qu'on est dans un...
un cadre qui n'est pas propice au dialogue. Comment ça va se passer demain? Ça va être chaud, ça va être... On ne sait pas, on n'y sera pas. Sur le salon en général? Sur le salon, bah écoutez, voilà. Quand finalement on excite une partie de la... une catégorie de la population, on ne respecte pas cette catégorie, on peut s'attendre... à des choses qui ne sont pas raisonnables, mais et on espère que voilà, en tout cas nous on montrera avec le respect des biens et des personnes notre mécontentement, parce que ce n'est pas normal, c'est pas une situation aujourd'hui équilibrée dans un pays démocratique. Lui montrer que l'on est très mécontent de la façon dont on a été considéré ces derniers jours. Bah, ça méritait mieux. Bah, ça méritait tout simplement d'avoir un discours qui donne vraiment de la hauteur au niveau de l'avenir de l'agriculture. Ça n'a pas été suffisant. Non, mais le rôle du président de la République n'est pas le rôle du Premier ministre. Le Premier ministre gouverne, le président de la République est là pour donner le sens pour l'agriculture aussi dans les années qui viennent. Et donc, à la fois le sens pour la nation française, mais aussi pour l'Europe à venir. Mais on attend que... En tout cas, on donne vraiment... On ne peut pas demander dans le détail au président de la République de rentrer dans le détail des choses. Par contre, qu'il soit là pour nous donner le sens, la ligne de ce que la nation attend des agriculteurs et de l'agriculture, là oui. Ah, j'entends pas. Oui. Les gars, c'est pas là qu'il faut regarder, c'est là-haut.